Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue, voilà, je voyais nous Robert. Donc, comme ça, ouais, nous toutes là. Nous, la SMDS, c'est-à-dire Robert. Ouais, pour nous, en directeur, enfin, en monde qui pour ici, voit sommation. Donc, là, nous en direct, là, nous à aller, ouais. Qui est responsable là? Monsieur Mire, voilà. Responsable là, le directeur. Monsieur Mire. Nous et puis le clerc du ciel, monsieur Michoulet. Dit études et pelage. C'est l'étude de mes pélages, je suis employé. Hein? J'ai un acte juridique. C'est monsieur comment? Michollet, c'est le monsieur de maître pélage Isabelle. Ok, d'accord, merci. On laisse sur le pain. On reste sur le papier, effectivement. Voilà, donc annoncez-nous qu'il y a toutes en réunion. Donc voilà, alors que ils savent que nous avons venu. Donc nous attendons toujours. Exact. Mais t'as vu ça? On est bien, ils sont pas là, ils sont pas là. Si on n'insiste pas, voilà ce qui se passe. Hein. Ah, elle revient là. Cette réunion, le directeur a dit qu'il va me recevoir à 11h. Parce que là, ils ne peuvent pas. Alors, donc, on a appelé, il nous a dit qu'on peut venir tout de suite. Et bien là, il nous dit. Attendez, c'est pas le même, alors c'est le directeur. Monsieur Miré, il est où? Monsieur Miré aussi est en réunion. Là, ils sont en réunion. Il y a un pour dire. Le directeur général, il vient de vous dire qu'il vous reçoit. Directeur général. C'est Monsieur Pénardeau. C'est Monsieur Pénardeau. Monsieur Pénardeau. Pénardeau, oui. Je ne vais pas le déranger, je vais juste le faire. Non, mais s'il y a le feu, vous allez pouvoir vous entrer en contact avec lui. Oui, je comprends que vous avez reçu des ordres, que vous êtes une employée modèle, tant mieux pour vous, c'est bien. C'est pas ça. Et alors, ouais. Ce que je voudrais vous dire, c'est que on est venu juste pour la. Attendez, attendez. Non, madame, non, je ne vous fais pas. Je vous filme pas, regardez. Attendez, je continue. Vous arrivez, on est juste venu avec un professionnel, le cabinet du CIE, juste pour déposer une sommation. Une sommation. Alors, ce qui serait bien. Oui. Que les choses tranquilles, qu'on vous remette ça, qu'on s'en aille. Parce qu'en attendant à 11h, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Le truc, il y a les médias qui viennent, on n'a pas spécialement envie d'avoir les. Il y a des médias qui vont arriver. On aimerait que ça soit fait de manière tranquille là, et puis après on. Mais donnez-moi la sommation que je vais voir. Ah non, pas du tout. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Monsieur, vous n'avez jamais reçu un nichier chez vous? On ne remet pas, on remet pas à votre fils. On remet pas à votre fils. Il faut remettre au responsable. Alors, si vous pour info, nous sommes venus vendredi à CEPAN, à la SMDS. Les usagers étaient stupéfaits. Ça a été fermé exceptionnellement, sachant que nous on venait. C'était écrit. Bon, ça c'est tout. Vendredi, donc on est revenu ce matin à CEPAN. On a
une secrétaire nous a reçus, mais apparemment, il y a un bateau là-haut, sa capitaine qui a la dérive. Non, mais c'est en façon de parler. Ils ont réunion, oui, malheureusement, alors, ça tombe aujourd'hui, alors, et là, ils sont en réunion là, en ce moment. Pour vous dire, donc la réunion est arrivée ici. L'impression qu'on a. Je vous interromps parce que quand vous dites un bateau sans capitaine, ça me gêne un peu, ça me vexe un peu. Alors que là, c'est une réunion une fois par mois. Malheureusement, il s'avère que la réunion a lieu aujourd'hui, actuellement. Votre secrétaire disait qu'elle ne savait pas où le directeur était. Ils ne sont pas forcément au courant de tout. D'accord, ils sont passés au courant que ça soit fermé, le rideau soit baissé exceptionnellement. Ils ne sont pas forcément au courant du tout. Donc là, actuellement, ce que je vous dis, il y a un codir là, avec le directeur, M. Miré et d'autres personnes. D'accord ? Qui est aussi important que le problème de santé publique que nous... Mais alors, par contre, je ne connais pas le problème. C'est le problème du téléphone, madame. Oh là là. Je vous dis juste qu'ils sont en réunion actuellement et qu'il m'a dit de vous dire qu'il vous reçoit à 11h, ce que j'ai fait. Je vous ai juste transmis l'information. Alors, mais... Après, à mon niveau, je ne peux pas vous dire plus que ça. Alors, maintenant, je vais vous dire, si vous ne parlez pas... Qui est au service de qui ? Voilà. Nous sommes des qui ? Nous sommes des usagers. Attendez, concentrez-vous. Qui est au service de qui ? Nous sommes des usagers, nous sommes des personnes qui payent l'autre. D'accord ? Maintenant, nous voulons avoir un directeur dans l'urgence. Nous voulons mettre un simple document. On n'a pas besoin de rester déjà avec lui. Il n'y a pas de réunion de crise, il n'y a pas de cyclone. Donc je ne vois pas l'importance que peut avoir cette réunion. Il peut faire une entorse à sa réunion pendant 5 minutes. Juste le temps de venir récupérer le document. Ça fait deux fois qu'on vient, non ? Pour pouvoir faire en sorte de continuer à faire ça. Pour qu'on ait des diarrhées, tout ça, en tout cas. Encore une fois, je pense que c'est nous. Qui est la secrétaire de ce monsieur ? La petite secrétaire, elle n'est pas basée ici. Personne n'est basé nulle part, non. On n'est pas basé par là. On nous a dit, venez ici. La direction régionale se trouve à Cherchia. Je dis pas ça qui a la prétention, mais c'est nous qui vous payons. C'est nous qui vous payons parce que c'est nous qui payons l'eau. Vous êtes à notre service. S'il y a cette société, c'est parce qu'il y a des abonnés. Par conséquent, l'abonné ne peut pas rester sur le seuil de la porte. Nous allons entrer au frais et nous allons attendre ce monsieur qui termine. Et on sera là. On ne reçoit pas le public. Ici, les bureaux, c'est la gestion. On a bien compris, madame. Ici, c'est chez nous, madame. Oui, madame. Voilà. Tu vas d'accord. D'accord. Vous avez dit que vous ne voulez pas partir, vous voulez attendre. Oui. Moi, je vais juste. C'est pas un blocus, c'est le terme. D'accord. Merci. Donc, du coup, je vais juste lui transmettre le message. Je ne vais pas prendre des engagements pour ça. Donc, vous êtes la secrétaire de direction, une responsable. Vous servez des viscères, mais c'est très bien. Donc, du coup, mais je ne vais pas prendre d'engagement. Mais je sais. Mais vous allez transmettre lui. Donc, on vous attend là. On vous attend, mais avec la porte ouverte. Vous leur dites qu'ils travaillent pour nous et que nous les abonnés, nous sommes là, c'est nous qui les payons. Vous allez leur dire que nous les payons, par conséquent, un genre de politesse, deux par exemple, nous exigeons qu'ils viennent. C'est nous qui payons. C'est votre directeur, mais c'est pas le nôtre. N'ayez pas peur de lui. Vous comprenez ? C'est nous qui payons, en fait, ces messieurs. Vous pouvez comprendre ça. Je peux comprendre que ce soit dérangeant pour vous de retourner dans leur salle de réunion. Je sais que ça ne doit pas être évident. Surtout qu'il m'a déjà dit qu'il ne va pas...
Donc, nous allons le voir. Et le plus vite sera le mieux pour lui et pour nous. On va pas rester 45 minutes plantés là sous un four. Ah non, mais on va pas rester. C'est possible. Et c'est nous qui battrons. Mais si c'est chez nous, mais pas de souci. Très bien, on peut rester. C'est nous qui battrons. On n'est pas là pour, on n'est pas venu pour perturber votre travail. Franchement, on est là pour attendre. C'est tout. Hein. Il n'y a pas compris ce point. Donc là, c'est responsable là. Vous dites que absolument nous les recevons nous. Donc nous attendons toujours. C'est pas facile, mais bon. Nous c'est l'autorité, donc. Donc voilà, nous attendons toujours. Donc moi, dans couloir là, nous attendons toujours. Que oui, c'est vrai, nous. Parce que quand il faut que nous attendions, quand il s'est venu à 11h, nous ne pouvons pas arrêter là. Et apparemment, tous ces responsables-là, donc ça a tombé bien. Il faudrait qu'on comprenne bien qu'il y a un employé qui nous sort, ne veut pas, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Moi, j'aimerais qu'on comprenne bien que là, derrière cette porte, il n'y a pas le roi. Il n'y a pas de roi, déjà. Parce qu'elle me dit, avec sa bonne volonté, elle me sort, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Il n'y a pas de roi. Il y a quelqu'un qui travaille pour un organisme, il y a quelqu'un qui reçoit un salaire, qui est payé par les contribuables. Par conséquent, on ne peut pas se permettre d'être chez nous et de rester sous le palier. Charlie, on arrête le direct, 2 secondes. D'accord, attends.